Et donc, l'indicible, c'est partout dans la littérature. À tel point que c'est un petit peu ce que le jour doit être à la nuit. Je ne sais pas si vous connaissez. Vous, vous n'avez pas eu en œuvre obligatoire Cadra? Si! J'ai cours par-dessus. Ok, waouh! Donc, c'est un peu ce que le jour doit à la nuit. Cette phrase un petit peu cryptique de Cadra, le titre qu'il a donné à son bouquin, ce que le jour doit à la nuit, c'est le fait que si t'enlèves l'un, il n'y a pas l'autre, si t'enlèves l'autre, il n'y a pas l'un, puisque t'es pas. Une chose n'existe que par la conscience de son inexistence potentielle. C'est pas à peine que vous notiez tout, hein, là je me fais plaisir. Okay? Donc, s'il n'y a pas de jour, la nuit n'est pas nuit. Elle est. Voilà. Donc, la question, c'était l'écriture est-elle à l'indicible ce que le jour est à la nuit? C'est ça ma question, en fait. Et. Ça m'a frappé de retrouver, enfin j'imagine qu'on est plein à se poser cette question ou pas, enfin, pendant que j'ai dit ça, je me suis dit non, déconne pas quand même. Mais, je sais pas si vous avez vu un film, c'est un film que j'adore, avec Benigni, et peut-être même de Benigni. Vous voyez cet acteur italien de La vie est belle? Et il a fait un autre film qui s'appelle Le Tigre et la Neige, qui est tellement beau, quoi. Franchement, enfin, qui doit être de 2002, 2003, je sais pas exactement. Que j'ai trouvé hyper beau, faudrait que je regarde si c'est toujours le cas, mais il m'avait bouleversée à l'époque. Et c'est l'histoire toute simple d'un couple qui se sépare et l'homme n'est pas d'accord avec le fait que cette histoire d'amour prenne fin. Et ça commence, et lui est prof de poésie. Et il fait cours, et il explique à ses étudiants. Pourquoi il est devenu prof de poésie et poète? Et il dit, quand j'étais petit, j'étais dans mon jardin, et il y a un oiseau qui s'est posé sur ma main, ou sur mon épaule, hein, je ne sais plus exactement, et j'ai vu l'oiseau, et je l'ai vu sur ma main, il y avait cette lumière, et c'était si beau! Et j'ai couru dans la maison, quand l'oiseau s'est envolé, j'ai dit, maman, maman, maman! Et elle a dit, qu'est-ce qui t'arrive? Et je me suis retrouvée à essayer de lui dire, il y avait l'oiseau, il était là, et moi j'étais, et le ciel, et cette lumière, et c'était, et j'avais pas les mots. Et donc, j'ai essayé de trouver les mots pour le dire. Et c'est comme ça que je suis devenue poète, c'est comme ça qu'il raconte ça. Et c'est ça en fait, c'est ça la question. C'est finalement, oui, il y a un paquet de littérature, mais se met-on à écrire parce qu'on n'a pas les mots pour le dire, quoi? Et que du coup, ben, de la même manière, ça répond à la même manière de pourquoi la musique, en fait. Y a pas de... Parce que la musique, c'est cet intermédiaire. Ou pourquoi la peinture, quoi. C'est que ben, on n'y arrive pas avec les mots, on n'y arrive pas avec le monde, on n'y arrive pas avec le réel. Les yeux, les oreilles, etc. ne suffisent pas. Donc à un moment, ben, tu prends n'importe quoi et il se passe quelque chose. Grotte de Lascaux. Pourquoi la grotte de Lascaux, quoi. Voilà. Pourquoi il y a toujours eu des instruments de musique? Pourquoi il y a eu des scarifications dès que l'homme a été conscient de lui-même? C'est quoi cette histoire, quoi? Vous l'avez vu dans Métaphysique du support, j'en ai en rayon, j'en ai 50 000 des questions comme ça. Mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est vraiment la question à l'origine de ça. Donc si, pour moi, penser l'indicible, c'était penser la racine de la littérature. Et vous l'avez remarqué, j'aime bien les questions compliquées et je suis une femme de défi. Donc même pas peur, je me suis lancée là-dedans. Et du coup, en fait, donc ça c'est l'idée, mais il y avait autre chose. En fait, quand j'ai passé le concours de l'école normale supérieure que j'ai raté, 2 fois, voilà, ce qu'ignorent la plupart des gens, parce que j'écris sur le CV, sur mon CV que j'ai été 119e à l'école normale supérieure, ce qui est vrai. Seulement, il y a 30 places. Mais bon, voilà, donc c'est pour vous dire que quand vous mettrez, si vous mettez Sciences Po Ex sans mettre diplômé de Sciences Po Ex, tout le monde s'en fout. Voilà, c'est pour ça que le grand taux, finalement. Voilà, bon, cette parenthèse anarchique étant fermée, quand je passais le concours de l'ENS que j'ai raté, j'avais eu cette œuvre au programme, L'espèce humaine de Robert Antel. Et du coup, la première approche de l'indicible que j'ai eue, c'est par cette œuvre-là. Notre prof nous avait dit, cet homme essaye de dire l'indicible. Et il partait de la phrase d'Arendt qui est « Il n'y a pas de sujet plus difficile à exprimer dans toute l'histoire de l'humanité » en parlant de la Shoah,
Je vous rappelle qu'Anthem n'est pas un déporté de la Shoah, c'est un déporté politique. Donc Buchenwald, pas Auschwitz pour schématiser. Buchenwald est camp satellite pour Anthem lui-même. Du coup, c'est là qu'on a commencé à aborder l'indicible dans l'œuvre d'Anthem. Et du coup, bah, je suis aussi spécialiste de Robert Anthem. Et c'est rigolo parce que Robert Anthem n'a écrit qu'une œuvre dans sa vie. Donc je suis spécialiste d'un auteur qui n'a écrit qu'une œuvre. Et donc que pas beaucoup de gens, qui passionnent pas grand monde, quoi. Et donc l'espèce humaine raconte, enfin c'est Robert Anthem qui raconte sa déportation. Et c'est beaucoup plus que ça parce qu'en fait il part de sa déportation pour créer une véritable philosophie de l'être en fait, que j'ai toujours pas fini d'étudier en fait. Hein, ça fait 15 ans que j'y suis. Même plus, hein, ça fait 19 ans puisque je suis passée la première fois normal sup en 2000. Donc ça fait 19 ans ma grande, t'es vieille. Alors... Ok, et du coup, en fait, quand on m'a dit, mais oui, mais voilà, le gars essaye de dire l'indicible, je me suis dit, mais c'est bizarre, parce que Dante essayait déjà de dire l'indicible, et les poètes amoureux essaient déjà de dire l'indicible, quand ils disent, les mots me manquent pour dire ta beauté, donc je fais un poème, voilà, donc, et donc ça va travailler, et... Et comme j'ai beaucoup travaillé après, enfin j'en ai fait mes mémoires et puis j'ai théorisé l'indicible dans ma thèse. Voilà. Indicible, investigation et mise à l'épreuve d'un outil. Non, voilà. Élaboration et mise à l'épreuve d'un outil d'investigation littéraire. C'est ça ma thèse. Donc il y a 6 personnes au monde qui l'ont lu. Non, 7 avec ma maman. Et sinon, les autres se sont arrêtés en gros à la page 12. Hein. Ils ont essayé pour être gentils, genre ma famille proche. Mais non, ça n'a... Voilà. Bon, personne n'est obligé d'ailleurs, hein, je comprends. Même moi, quand je la relis, je suis là... Bon. Et du coup, en fait, ça m'a tellement travaillé cette histoire que je me suis dit... Donc, quand j'ai travaillé en Master 1 et en Master 2 sur l'écriture concentrationnaire, je me suis dit, mais pourquoi ça fait à ce point consensus que c'est indicible? Parce que finalement, on a des œuvres littéraires qui disent. Enfin, moi, j'ai tout compris. Enfin, lire Robert Antel, mais lire Primo Levi et lire Georges Sandprin et lire ces auteurs-là, ça a été un bouleversement immense dans ma vie. J'ai pas jeté ça en disant, bon, ils ont essayé de dire, mais ils y sont pas arrivés, donc je fous ça dans un. Pour caler un meuble et c'est fini. Ça marche pas. Voilà, donc ils sont arrivés à dire. Donc est-ce qu'il n'y a pas dans leur écriture quelque chose de fou? Et en même temps, en me posant cette question-là, parce qu'il y a plein de récits concentrationnaires qui sont passés à la trappe. C'est ce que raconte Georges Sandprin dans L'écriture ou la vie. Il raconte comment à un moment, il était... Donc il s'est lancé dans l'action politique parce qu'il avait trop de mauvais souvenirs pour que ses souvenirs ne le rongent pas. Parce que lui, il était à Buchenwald. Donc quand il se souvenait de Buchenwald, la mort le happait, quoi, il aurait pu en crever. Du coup, il a décidé de ne pas écrire parce qu'il en mourrait, L'écriture ou la vie, titre de son ouvrage. Et du coup, il s'est engagé dans l'action politique et il est allé, donc il était communiste et il a été envoyé en Espagne, dont il est originaire, pour infiltrer et observer le franquisme. Et donc il était hébergé par des communistes espagnols qui ne savaient rien de lui, puisqu'il avait une identité masquée. Et le gars chez qui il est, que dans le roman, que dans L'écriture ou la vie, il appelle Manuel A, lui raconte sa propre déportation au camp de Mauthausen. Et Georges Sandprin a une espèce de réaction terrible, parce qu'il se rend compte que quand il écoute ce gars, c'est comme s'il lui parlait d'autre chose que ce que lui-même avait vécu, alors que c'est la même expérience. Et c'est ça l'indicible, c'est que le mec utilisait des mots pour dire... Mais ces mots étaient tellement vidés de leur substance même de mots que lui, qui avait vécu la même chose, n'arrivait même pas à voir le point commun. Donc il fallait d'autres mots. Ben pour moi, on est dans la littérature ultime, quoi. Et ce qui se passe, c'est que pendant des décennies, il y a eu un tabou légitime, hein, franchement, je respecte à fond, qui était « ce qui parle des camps de concentration ne peut pas être un objet d'art ». Respect, il n'y a pas de problème pour ça. Mais il y a un moment, bon, moi j'ai abordé la question dans les années 2000,
Donc les esprits s'étaient apaisés et les recherches urgentes avaient été faites. Je veux dire, évidemment que c'est plus urgent. Je pense vraiment qu'il y a une hiérarchie en ce sens, hein. C'est beaucoup plus urgent de savoir ce qui s'est vraiment passé que de dire oui, est-ce une métaphore ou une... C'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Mais moi, j'ai débarqué dans les années 2000 et tout le travail préalable avait été fait et bien fait, Annette Vivorca et compagnie, quoi. Du coup, je me suis autorisée à me dire, si cette chose est si indicible à dire et que quand on les lit, on touche du doigt quelque chose qui est inenvisageable pour nous, c'est bien que les gens arrivent à dire. Et si Georges Samprend rapporte que des gens qui l'ont vécu à lui lui ont raconté ce qu'ils ont vécu sans que lui s'y reconnaisse, c'est qu'arriver à dire cette forme d'indicible est un défi à la langue considérable. Et donc, ma conclusion, c'est que étudier l'histoire littéraire sans penser qu'il y a un bouleversement majeur, encore plus fondamental que celui des bouleversements de la littéraire du XXe siècle, dans le genre nouveau roman, ou poème en prose au XIXe siècle, ou toutes les tentatives alchimiques en fait du langage, hein, ce qu'on fait les. Je vous avais fait un truc là-dessus sur la poésie mystique ou sur la poésie de Rimbaud, la poésie synesthésique. Donc ces distorsions du langage pour arriver à taper dedans jusqu'à en sortir autre chose que lui-même, bah, ça a été encore plus fort parce que ça partait pas d'une volonté de réfléchir le langage, ça partait d'une nécessité épistémologique de dire ce que les autres n'avaient pas vu. Et donc si on ne trouvait pas les mots, c'est pas juste qu'on n'allait pas pouvoir libérer tout le potentiel de la langue, c'est que le commun des mortels passerait à côté de quelque chose d'énorme dans l'histoire du monde et des hommes. Donc, partant de ce constat, je me suis dit, ma grande, bah là, enfin, il en va non seulement du pouvoir des mots, mais aussi de l'histoire du monde et des hommes. Parce que la Shoah, c'est quand même, enfin, ou le génocide, vous lui donnez le nom que vous voulez, mais ce qui s'est passé sur le plan de la destruction de l'homme par l'homme dans la Deuxième Guerre mondiale, pour penser l'homme et le monde, c'est incontournable, quoi. Et donc, s'il y a des gens qui sont arrivés à faire de la langue un outil suffisamment puissant pour dire cette chose inimaginable et partant indicible, c'est que au niveau littéraire, il s'est passé un truc majeur dans l'histoire de la littérature et des mots et du langage, quoi. Voilà. Donc c'est en ça que j'ai beau être lu par 6 personnes, je suis convaincue du bien-fondé de mes recherches. Alors je suis peut-être la seule, mais je trouve que c'est quelque chose de considérable, quoi. Bon, pas mes recherches, hein, mais l'objet de ces recherches. Bon. Ouais. Voilà. Donc, voilà. Deuxième étape, le fait de se dire, OK, il y a une forme enfin, d'indicible qui a été dépassée, puisque ces œuvres disent. Donc, où est l'indicible? Est-ce qu'il n'est pas plutôt dans les autres œuvres qui n'ont pas été lues? Genre, si Manuel A avait écrit un bouquin, bah, certains l'auraient lu, puis ils n'auraient pas trouvé peut-être de choses dites. Bon. Est-ce que. Bon, ils sont arrivés à tout dire, mais c'est une autre histoire. Et en fait, je me suis mise à me dire, bon, donc l'indicible est où dans les œuvres concentrationnaires? Parce que ce qui me frappait, c'est que les critiques avaient une sorte de manière consensuelle à parler de l'indicible. En parlant de ce qu'avaient vécu les personnes déportées et partant de ceux qui écrivaient sur la déportation étant indicible, qu'étaient ces œuvres littéraires. Bon. Et quand ils parlaient, ils disaient, voilà, l'indicible dans l'œuvre de Primo Levi, l'indicible dans l'œuvre de Romain Rantelme. Et d'une part, je me disais que bah, il y avait quand même beaucoup d'indicibles qui avaient été dépassés par l'œuvre. Donc j'ai commencé à typologiser tout ça, à dire, bah oui, les formes d'indicibles, mais elles sont dénoncées comme étant en amont. Donc il y a les formes d'indicibles en amont de l'écriture qui justifient l'écriture, enfin qui légitiment même la démarche scripturale, et que l'écriture scripturale, que la démarche scripturale dépasse. Et donc on a des indicibles en amont du processus scriptural qui sont des dits en aval du processus scriptural. Donc j'ai commencé à faire une taxinomie de l'indicible. Et petit à petit, je me suis rendu compte, donc j'ai fait des typologies. Et du coup, ça a donné une typologie du type, je vais vous donner quelques axes, mais évidemment, moi j'ai fait un tableau de ouf, mais en gros, il y a eu plusieurs choses que j'ai distinguées. En gros, il y a donc,
Quand on dit indicible, ça peut recouvrir deux grandes catégories. Ce qu'on ne doit pas dire, le tabou, et ce qu'on ne peut pas dire, et là c'est encore, il y a plein de possibilités, mais c'est la question du possible-impossible. Ce qu'on ne doit pas dire, c'est par exemple parce que ça va choquer ou ça va transgresser. Par exemple, un type d'indicible, ça peut être de l'ordre de la censure. Certains auteurs concentrationnaires ont été limite censurés. Après la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'il fallait la réconciliation civile, j'en ai parlé en amphi, et que si on se mettait à raconter que notre voisin nous avait dénoncé, et qu'on revenait dans notre appartement antérieur avec les mêmes voisins, bah forcément, on allait s'entretuer. Donc, il y avait une censure, il y avait un non-dit, donc, qui aboutissait à un indicible, à un non-dit. Donc, il y a aussi des indicibles. Donc moi j'appelle déontique, mais parce que je me fais plaisir, mais donc des indicibles liés à la censure, au tabou, et là encore il y a toute une typologie interne, mais qui aboutissent aporétiquement à un non-dit. Ok? Donc voilà, ça j'appelle ça les indicibles déontiques absolus, parce qu'il y a aussi les indicibles déontiques relatifs, donc les tabous qui sont finalement transgressés pour que les choses soient dites. Dans le genre, il y a eu des hommes qui ont été déportés, sur qui pesait le tabou de la dévirilisation dans les camps de concentration. Vous savez, par exemple, pour prendre le cas extrême, il y a des hommes qui ont été émasculés dans les camps de concentration, stérilisés. Et ça, donc, il y a des gens qui ont raconté leur déportation, mais qui n'ont pas raconté ça. C'est de l'indicible non dit, ça. Et il y en a qui ont fini par le dire. Donc, il y a pareil. Ça, c'est les formes d'indicible liées au tabou. Et pareil, il y a des indicibles relatifs, quand il y en a un qui finit par dire, et des indicibles absolus, ceux qui finissent pas par, qui ne disent toujours pas. Bon. À côté de ça, donc il y a l'indicible qui est plus lié au tabou ou à la censure, donc que j'appelle à l'éthique, peu importe, qui est au niveau du ne peut pas dire et pas du ne doit pas dire. Et alors là, il y a plein, plein, plein de cas de figure, mais là aussi, on va retrouver les catégories du relatif et de l'absolu. L'indicible à l'éthique absolu, c'est par exemple celui qui a vécu la chambre à gaz, ou celle qui a vécu la chambre à gaz. Personne ne peut raconter la mort par le gaz, parce que personne n'a survécu à la mort par le gaz. Donc ce qui est indicible l'est à tout jamais. Donc l'intérieur des chambres à gaz est un indicible, enfin la mort par le gaz, parce que les chambres à gaz, il y a aussi eu les Sonderkommando qui ont lever le voile sur certaines choses, notamment dans Shoah de Lanzmann, enfin des choses comme ça. Enfin, je suis désolée, hein, mais la sensation de la mort par le gaz restera à jamais un indicible qui aboutit à un non-dit. Il n'y a pas de possibilité. Bon. Mais il y a aussi plein de formes d'indicibles à l'éthique, donc sur le peut pas dire, différents. Et là, on va être dans des formes relatives, donc pas absolues, relatives. Et là, alors, c'est la foire. Hein. Il y en a 50 000 que j'ai essayé de recenser, donc j'en ai fait une douzaine. Mais en gros, il y a quand on ne peut pas dire parce que on n'a pas les mots. Par exemple, ben, je ne sais pas, il y a des réalités concentrationnaires. Le langage n'est pas prêt pour cette réalité. Donc il n'y a pas de mots pour désigner. Est-ce qu'on prend le mot que les nazis ont inventé pour ça, alors que ce sont des euphémismes? Ben non, parce qu'on joue leur jeu. Donc, quand on dit comment dire, eux, ils disent convoi spécial. On l'a vu, c'est Klemperer, Victor Klemperer, la langue du Troisième Reich. Eux, ils disent convoi spécial. Mettre des milliers de juifs dans des wagons plombés pour les envoyer à la mort. Mais la langue n'a pas de mots. Si tu utilises les mots courants, train de déportation de milliers de gens pour les conduire à la mort par le gaz, c'est définitoire. Ces convois n'ont pas de nom, ils sont innommables. Alors ça, c'est la catégorie, les catégories internes, les sous-catégories, mais l'innommable fait partie de l'indicible. Donc le langage n'est pas prêt. Il y a une autre problématique, exemple. Les mots existent, mais ils sont vides. Parce que le référentiel a changé. Exemple, ce qui rend par exemple Primo Levi fou, c'est quand les enfants disent « je meurs de faim
Parce que pour lui, le référentiel mourir de faim, c'est le référentiel du camp de concentration. Et le drame qu'a vécu la personne qui a vécu la déportation, Primo Levi dit le maître moral a changé, mais c'est aussi le maître des réalités qui a changé, le maître, l'instrument de mesure des réalités. C'est-à-dire que quand un gars va formuler spontanément un déporté ou une déportée, va dire « je mourrai de faim », dedans, il y a la mort liée à la miette de pain qui n'aura pas été ingérée. C'est ça, mourir de faim, hein, dans un camp. Donc, l'expression prend le sens concentrationnaire, mais dès qu'elle arrive au niveau du lectorat qui n'a pas vécu la déportation, ça devient notre mourir de faim. Notre expression hyperbolique pour désigner le fait d'avoir tellement faim qu'on grossit le phénomène jusqu'à employer le mot ultime de mort. Mais il y a l'hyperbole. Si tu oublies que c'est une dimension hyperbolique, tu passes la déportation à la poubelle. Donc, employer des mots du monde libre pour parler de la détention concentrationnaire, c'est transfigurer, transformer une réalité en ce qu'elle n'est pas. Et on retrouve le problème du contenant-contenu, qui est on en a parlé hier sur l'indicible du rêve. La matière du rêve est rétive à la conscience, donc on ne peut pas parler consciemment du rêve sans le changer d'état. Bon, c'est le même genre de problématique de psych, quoi. Et évidemment, à toutes ces formes d'indicible correspondent la possibilité de donner une réponse littéraire à l'indicible, aboutir à un dit, ou de donner une réponse partielle, insatisfaisante, donc à un semi-dit, à un mi-dit, ou à un non-dit, si on a beau tripoter les mots et les tourner dans tous les sens, qu'on n'y arrive pas. Bon, voilà un petit peu pour vous donner l'idée. Évidemment, j'ai en stock toute la typologie. Et en fait, ma découverte, parce que j'ai, selon moi, vraiment apporté quelque chose à la recherche, c'est, en fait, je me suis insurgée contre le dévoiement du mot indicible pour qualifier l'expérience concentrationnaire. En fait, on a l'impression qu'il y a un consensus critique. Il y a de l'indicible dans les écrits concentrationnaires, l'expérience concentrationnaire est indicible. Et en fait, ce que j'ai montré, c'est que l'indicible était un mot consensuel. Et pas du tout, un mot consensuel au niveau critique, mais pas entre les critiques. C'est-à-dire qu'il donne la sensation qu'on parle de la même chose, alors que chacun parle d'un indicible différent. Par exemple, un tel critique littéraire et un tel historien vont être d'accord que l'expérience est indicible, alors qu'un tel critique littéraire va parler d'un indicible déontique relatif et qu'un tel historien va parler d'un indicible halétique absolu. C'est ça, moi, que j'ai prouvé. Et donc, j'ai prouvé que les gens qui disent être d'accord sont en fait pas d'accord. Bon, c'est déjà pas mal, ça s'appelle un nettoyage de la situation verbale. C'est Paul Valéry qui appelle ça comme ça, et j'aime bien faire ça. C'est ce qu'on fait en recherche, en fait, hein. C'est très chiant, mais après, on est content, on a un nouvel outil, hop. Bon, et en fait, donc, point ultime de ma recherche, c'est d'avoir montré que, et c'est là que je réponds à ta question, en fait, il y a eu plein de formes d'indicibles ponctuels dans la littérature, voire cumulées, c'est-à-dire qu'on peut trouver, par exemple, dans de la poésie mystique, de l'indicible déontique absolu, de l'indicible halétique relatif de nature du sujet, de l'indicible... Donc, mettons trois formes de cumul. Mais ce qui fait la spécificité de certains récits concentrationnaires pour moi, c'est d'avoir fait aboutir un nombre supérieur à une... j'appelle ça le cumul des indicibles. Hein, j'ai jamais dit tel nombre d'indicibles. Mais une quantité surdéterminée de formes d'indicibles synchrones et de les avoir fait aboutir à un dit. C'est ça, les récits concentrationnaires que j'étudie, moi. Et c'est en ça que je considère qu'au niveau de la langue, ils font quelque chose de considérable. Parce que, si vous voulez, si je mets en mes termes, qui sont horribles, hein, mais la littérature, je vais dire que, par exemple, Dante a réussi à faire aboutir dans un dit un cumul de quatre formes d'indicibles simultanées. Que... tel romancier est arrivé à faire aboutir dans un dit ces deux formes d'indicibles simultanées. Et ponctuellement dans la littérature, on va arriver par exemple à des formes surdéterminées à 6.
la littérature concentrationnaire. Alors, j'ai jamais chiffré parce que pour moi, ce serait transgressif. Mais on va dire que, parce que mon tableau n'est pas exhaustif, mais on va dire que si moi, j'ai distingué 50 formes d'indicibles, il y en a au moins une trentaine en amont de chaque démarche d'écriture concentrationnaire. Et moi, dans les récits que j'étudie, il y a au moins 60% de ces indicibles originels qui sont transformés en dits, qui aboutissent à un dit. Voilà. Et donc, à cumul des indicibles en amont de l'entreprise scripturale, correspond un cumul de prise en main, de prise à bras le corps des défis posés par la langue, et donc une distorsion surdéterminée à proportion de la langue. Plus il y a d'indicibles cumulés, plus la langue va être bizarre. Parce que si tu peux pas dire parce que ça correspond à quelque chose qui n'existe pas, tu vas avoir un défi posé à la langue. Mais si en plus de ça, tu ne peux pas dire, et tu ne peux pas dire parce que, et tu ne peux pas dire aussi parce que, et tu ne peux pas dire aussi parce que, à chacune de ces formes qui nécessitent une réponse littéraire, tu vas donner une réponse littéraire. Et donc à la fin, il y a cumul des phénomènes de distorsion de la langue, et donc on va dire cumul apaxique, stylistique. Un apax, c'est quelque chose qui n'arrive qu'une fois dans la vie, quoi, dans le monde même. D'accord ? Comme Hiroshima. C'est un apax. H-A-P-A-X. Voilà. Et donc, ce que je dis, c'est que la littérature concentrationnaire procède d'une nécessité d'écrire de caractère apaxique. Jamais aucun auteur n'a dû se confronter à une telle volonté et nécessité de dire « Ils sont pas poètes, les gars !» Ils font pas ça pour l'amour de l'art, pour savoir ce que la langue a dans le ventre. Ils font ça pour dénoncer et dire l'un des plus grands crimes commis par l'homme sur l'homme, qui est quand même en enjeu, quoi, qui n'est pas un trip de littéraire. Et cette nécessité est accompagnée d'un défi qui cumule toutes les formes de défis littéraires que l'histoire du monde des lettres a jamais connues. Donc forcément, ce qu'on a dans le ventre, dans la langue de Robert Antelme, ou de Georges Samprin, ou de Primo Levi, mais moi je suis antelmienne, tellement antelmienne, à fond antelmienne que je suis monomaniaque, mais c'est une langue que les plus grands poètes romantiques n'ont jamais osé appeler de leur vœu. Quand Lamartine, je vous en avais parlé dans Previously, mais parle de la langue, donc dans son poème Dieu, il dit, Dieu fit pour les humains deux langages divers. L'un, en paroles vaines, s'élance dans les airs. Et en gros, c'est la langue des besoins, passe-moi le sel, ouvre la fenêtre, tout ça. Et ensuite, Dieu crée, donc il parle de l'autre langage, Lamartine, et dit, l'autre éternel, sublime, universel, immense, est le langage, machin, de toute intelligence. C'est la prière que les hommes parlent avec le cœur. Donc c'est... C'est la prière du cœur, ok, ok. Donc c'est pas dans les mots des hommes, quoi. Donc on la connaît pas. Et lui, par le mystique des mots, essaye d'y arriver. Mais il a pas transformé son indicible en dit. Pourquoi ? Parce qu'il y avait pas de nécessité ontologique et philosophique et métaphysique sur l'avenir de l'homme et de l'humanité. Voilà dans quel univers j'évolue, quoi. C'est ça qui c'est un de mes moteurs existentiels, quoi. C'est percer ce mystère-là, c'est travailler sur ce matériau-là. Je pense que vous le voyez, ça me met dans tous mes états. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est considérable. Voilà. Voilà. Donc du coup, il est 55. Écoutez, je vais m'arrêter là parce que sinon, je me lance dans les textes et là, c'est les exemples et j'ai pas le temps. Voilà, écoutez...